Bonjour, c'est Mogi. Salut, c'est l'aspirateur. Donc là, vous, pour ceux qui s'y connaissent, faut vous dire « Oh mais putain de merde, mais je connais cette interface !» On doit marquer « chat ». On doit marquer « chat » en anglais. Oui, c'est l'Amstrad CPC 6128. Donc les PC à l'époque où les consoles n'avaient pas le monopole, on va dire, du marché. Donc à l'époque, c'était une guerre donc entre Amstrad, marque Amstrad et Atari. Donc, avant qu'Atari se connaisse son crash de malade. Donc voilà. Donc là, on va vous parler d'un jeu de malade mental. C'était Jet Set Willy. Donc vous reconnaissez la musique derrière, hein, je suppose. Donc là, pour les vieux de la vieille, ça va rappeler des souvenirs de malade mental. Donc là, je commence le jeu. Là, je vais jouer. Et étonnamment, enfin, je me rappelais pas du tout, parce que je suis trop jeune, d'avoir eu cette console. Mais en revoyant beaucoup de jeux tourner, j'ai remarqué qu'en fait, je l'avais cette console. Ça fait peur quand tu articules fort. Donc voilà. T'as la gueule. Voilà, en fait, genre Jet Set Willy, je sais que je l'avais parce que j'y avais déjà joué. Et comme c'était une époque où j'étais trop petit pour aller chez des gens qui avaient des consoles. Ouais. Voilà. Non, il y a aussi donc ce jeu-là, en fait, c'est la suite d'un jeu qui s'appelait Manic Miner. Donc c'est exactement le même principe, hein, à part que le bonhomme était légèrement différent. Enfin, c'est qu'il avait pas le même chapeau. Et moi, ce qui m'a marqué dans le jeu, c'est à chaque fois qu'il faisait un saut, il faisait... Bah là, ça, vous l'avez. Alors là, je vais pas aller par là. Évidemment, je vais me barrer. Parce que sinon, quand il va voir la femme lui met une grosse gifle. Alors le problème du jeu, c'est que par moment, si elle m'a perdu une vue, voilà. Donc je vais essayer de pas trop mourir. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on perdait une vie, en fait, par moment, on pouvait rester bloqué. Et on perdait en fait 5 vies consécutives parce que manque de peau, on est contre un mur et t'as constamment l'ennemi qui revient en fait à une seconde d'intervalle. Enfin, c'est difficile d'expliquer, mais je pense que vous te comprendrez quand. Parce que, merde, voilà. Ah voilà, exactement. Merde, je me suis en train de me faire buter. Voilà, c'est exactement ça le problème. Putain, c'est chaud quand même, c'est rapide. Donc là où, on va recommencer. Ouais, donc quand on meurt, il y a un pied géant qui s'affale sur nous. Oui, le jeu en fait avait bourré d'humour, mais un humour très spécial. Le jeu était développé par un mec qui s'appelait Matthew Smith. Après, c'est lui qui avait fait donc le Manic Miner donc en 1983, donc qui était sorti sur quasiment tous les micro ordinateurs de l'époque, donc Amstrad, Atari, etc. Et donc il est sorti et ce mec-là, il a fait celui-là, et Jet Set Willy et Jet Set Willy 2, il me semble que et après. Justement, devait avoir un nom assez con. C'était Jet Set Willy rencontre le mec des impôts. Enfin, ah oui, oui, en anglais, c'était Jet Set Willy off truc plutôt. Enfin, je me rappelle plus. X-Man. C'était X-Man. Voilà. Ouais, donc c'est assez pathétique. Et ouais. Par contre, le jeu final n'a pas eu ce nom. Mais en fait, justement, le créateur voulait que Jet Set Willy rencontre en fait le précurseur des impôts pour payer une taxe, je crois, sur sa vie. C'était ça en gros le ce qu'il voulait. Même là pendant le jeu, on voit qu'il a voulu aussi implanter ça, parce qu'à chaque zone et à chaque tableau visité, chaque tableau en fait avait un nom. Là, par exemple, Doors of the Kitchen, alors là j'essaie de ne pas faire voir. Et par exemple, et chaque niveau, et le but du jeu était de collecter des petits objets. En bas il y a marqué item collect et le jeu était comme à cette époque des jeux Amstrad, Atari, tout ça, c'était extrêmement difficile, il y avait des jeux quasiment impossibles à terminer. Voilà. Il y en avait qui étaient impossibles. Ouais, il y en avait genre le Airwolf, on le fera je pense. Airwolf c'était impossible parce qu'à chaque fois qu'on se bouffait un mur avec l'hélicoptère on mourait. Slayer aussi impossible. Dragon Slayer, ouais, mais d'ailleurs je galérais pour trouver comment on avançait à chaque fois. Oui, parce qu'à l'époque, justement, c'était un clavier pour jouer. Donc, il y a aussi joystick, mais par moments, c'était plus facile de jouer parce que les joysticks étaient pas forcément. C'était peut-être pas vraiment super. Ah, putain, j'arrête pas de me faire voir. Alors, vous pouvez voir cette maîtrise du jeu. Alors là, c'est moi qui joue. Hein. Il se la pète. Donc, vous pouvez voir. Donc ce jeu, moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que c'est un jeu que je trouve hyper bizarre. Non, mais l'ambiance, ça. Le fait de se faire écraser par des pieds géants quand on est game over, c'est assez space. C'est marrant, c'est qu'on commençait le jeu et on prenait jamais le chemin. Là, j'ai passé au-dessus du espèce de cisaille. Trop bizarre, t'as qu'un.
C'est pas possible de faire des jeux aussi mal à la montagne. Non mais non Zelda, y'a pas ça, y'a des bateaux, c'est tout. Des vaisseaux qui parlent, mais c'est pas possible de faire qu'il y a, puisque moi, certainement moi, y'a pas de beaux pieds géants. Y'a pas de pieds géants. Bon, demain tu viens chez moi, tu verras, y'a pas de pieds géants chez moi. Putain, j'arrête pas de me faire... Alors raconte des conneries, je vais mourir peut-être, je vais peut-être mourir, non, ça va. Donc le jeu, bah non, franchement, c'était vraiment un putain de jeu. Mais moi, je connaissais que celui-là. Il me semble que le Manic Miner, le premier, j'y avais joué chez mon oncle, un truc comme ça. Et... Parce que, oui, parce qu'il y avait aussi, mais j'avais joué, mais sur la version du Amstrad CPC 464, merde, c'est mort. Et le Astrospace. Et le CPC 464, je crois, c'était celui qui marchait avec des cassettes audio. En fait, c'est, tu mettais la cassette audio. Ça mettait 3 heures à charger. Ça mettait 3 heures à charger et c'était trop roulou. Et c'est, à chaque fois que tu mettais la disquette, il fallait retourner aussi la cassette pour que ça marche. Et il fallait attendre 3 plombes, et tu voyais genre une image fixe, tu voyais un... Là aussi, il y a des disquettes qu'il fallait retourner des fois. Ouais, putain, ouais. Donc voilà, ça... Voilà, c'est hyper dur. Arrête pas de me faire voir. Ouais, mais si, il a vraiment l'air hyper dur quand même. Arrête pas de me faire avoir. T'as vu, ça marque la chapelle. On va voir à droite, c'est super tête, mais c'est space. Enfin, il y a beaucoup de trucs chelous quand même dans le jeu. Ouais, dans le jeu, ouais, mais c'est un humour très bizarre. Enfin, c'était. Mais même le mec qui avait fait le Matthew Spice, après, il avait un peu disparu parce que lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était pas être connu, mais il voulait avoir de la reconnaissance par rapport à son métier, tu vois. Et du jour au lendemain, en fait, il a disparu et il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur ce créateur. Des rumeurs qui disaient oui qu'il n'existait pas, qu'en fait c'était le nom d'un ordinateur, enfin ce nom, enfin Smith, qu'en fait finalement le mec avait fait un séjour en hôpital psychiatrique, etc. Il y a eu plein de rumeurs, tu sais, puis qu'il était drogué, etc. Enfin, plein de rumeurs hyper spéciales. En fait, plus tard, il est réapparu. Je trouve quand même que la rumeur la plus space, c'est le fait qu'il existe pas, que ce soit qu'il a donné son nom, en fait, c'est le nom d'un PC. Ouais, je me rappelle. Ouais. Ça fait trop peur. Ouais, c'est trop bizarre. Il y avait vraiment, donc, pour ceux qui connaissaient pas ces petites anecdotes, c'est un grand jeu celui-là. Hein. Bon, alors là, je vais bientôt mourir. C'était un grand jeu. Alors ça, c'est hyper chiant. Ouais, les petits cochons. Je suis mort. Non, il reste encore une vie. Une vie. Hop. Mort. Voilà, je t'ai écrasé comme une merde. Ouais, j'ai essayé de Willy. Pour le même pied géant. Voilà, donc là on va voir ton super nom. Je vais mettre Mogi. Classe. Donc Jesse Twilly, que souvenir en fait, je reviens à ça. L'Amstrad CPC avec un excellent jeu. Voilà, donc ça c'est quand même bien de les montrer. Pour tous les gens qui ne connaissent pas. Donc je sais pas si c'est difficile ou pas et si surtout elle est chère dans le commerce maintenant. Le commerce, je sais pas parce que j'en ai jamais vu, donc elle doit être très très dure à trouver. Et j'ai aucune. Ça, ouais, celui-là, parce que ça, là, c'est les jeux en fait en couleur, c'était CPC, enfin, c'est version disquette, CPC 6128. Donc, même ça, il y a aussi CPC 6128 Plus. On va porter les trucs en plus, par contre, ça, je vais pas. Donc, et même, on racontera d'autres anecdotes sur d'autres jeux Amstrad. Donc, voilà, gros bisous, les copinous!